JL et les candidats JL donc sont réunis là sur 2 jours au CTR à Châteauroux afin qu'on puisse les préparer pour la saison et qu'on harmonise les décisions. Le travail se compose de différentes choses. La première, c'est donc la théorie pour les 2 catégories. Les candidats JL, c'est pour eux espérer devenir jeune arbitre de ligue. Et pour les JAL, c'est de poursuivre dans cette catégorie. Et pour ceux qui auraient le plus de potentiel, c'est pour les préparer pour être candidat jeune arbitre de la fédération. On a axé le stage beaucoup sur le terrain. Donc samedi après-midi, nous avons passé 3 heures sur le terrain à travailler placement, déplacement, la préparation athlétique aussi on a abordé. Et puis après du travail technique sur de la signalisation, sur le rôle d'arbitre assistant. C'est un jeune arbitre de ligue, il va arbitrer sur des U18 en R1 ou en R2 le week-end, samedi, dimanche, et il va pouvoir faire de la touche en 17 ou 19 nationaux. Ce stage, il nous apprend beaucoup de choses. Pendant les 2 jours, on apprend les déplacements, on revoit un peu le règlement, tout ça. Et c'est pas mal, on apprend à connaître aussi nos collègues. Et on échange entre nous des anecdotes sur certains matchs, tout ça. Cette année sur les candidats JAL, c'est une bonne promo. Nous avons 28 candidats des 6 districts de la Ligue. Alors que les années précédentes, on en avait une vingtaine, voire des fois qu'une quinzaine, et tous les districts n'étaient pas représentés. Donc là, il y a eu un travail en profondeur dans nos CDA qui paye. Et puis aussi, c'est depuis quelques temps, on voit que le recrutement se fait de plus en plus jeune de nos arbitres et c'est ces promotions qui arrivent au fur et à mesure là, à être candidat JAL.